Et nous continuons à parler rugby, bien évidemment, dans ce grand débrief du lundi. Dans un instant, vous aurez tout le résultat, le classement de la Pro D2. Nous revenons également, bien sûr, sur cette journée de Top 14. Il y avait un derby de Nouvelle-Aquitaine, on peut dire ça comme ça maintenant. Un derby entre Pau et Brive. Et finalement, eh bien, c'est Brive qui s'est imposé à Pau sur le score de 32-27. Il y a avec nous le président de la section paloise, Bernard Pono. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors, un retour d'abord sur ce match. J'imagine que c'est la déception parce que c'était en plus un match important. Ouais, c'est d'autant plus compliqué à digérer parce que il y avait une dynamique intéressante avec une volonté qui fait un peu notre ADN relative à ce jeu qu'on veut faire. Même sous pression, on réduit jamais la voilure. C'est peut-être notre tort. Écoutez, la différence entre le match de Bayonne, je vais être tout à fait clair et tout à fait simple, c'est qu'à Bayonne on joue ensemble et là on joue pas ensemble, voilà, c'est tout. Et donc ça devient un peu agaçant. Est-ce que parfois on se trouve trop beau, probablement, ou du moins ce côté beauté devient un peu individuel, j'en sais rien. Le rugby c'est un sport collectif, et là si on a failli c'est dans ce domaine là parce qu'on a eu une conquête remarquable. Les gros ont fait le job d'une manière générale. Le niveau de jeu, il a augmenté. On l'a augmenté. Brive l'a augmenté. Là-dessus, il faut être réaliste aussi. C'est un bon match de rugby hein, pour les deux équipes. Mais voilà, au bout du compte, on ne matche pas. Et en général, quand on a eu la conquête qu'on a, je crois qu'on leur a volé 4 ballons en touche. Je pense qu'on avait toutes les munitions. Pour faire le job, voilà. Et on ne l'a pas fait, donc bravo Briviste et malheur à nous. Donc aujourd'hui, ben, on revient à notre chère étude. On analyse, mais analyser nous, non. Il va falloir que ce soit les joueurs qui le fassent maintenant. Je les ai mis dans ce degré de responsabilité depuis l'élection des entraîneurs, donc cette responsabilité va s'alourdir. Voilà. Ça veut dire, Président, que vous partagez finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, quasiment mot pour mot, avec ce qu'a dit Thomas Domingo hier à chaud, à l'issue de la rencontre, hein, votre entraîneur, qui parlait de colère par rapport à l'indiscipline hein, paloise, parce que vous avez été dominateur ouais. En conquête. Il parlait de la colère, mais de l'inquiétude aussi pour la suite de la saison. Donc vous êtes aussi sur cette même sensation, l'inquiétude. Bah évidemment, il faut être réaliste. Je veux dire, il y a des virages à prendre qui auraient pu nous donner de l'oxygène, bienvenu, et aussi changer un contexte d'état d'esprit où, par rapport au jeu qu'on pratique, où on aurait quand même un gain de confiance, et ce gain de confiance quand même fait faire des belles choses hein, dans le sport. On ne se met pas dans ce schéma-là. Donc l'inquiétude, c'est ça l'expression de l'inquiétude. Et il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas que ce soit bloquant. La difficulté sera là. Comment vous avez vécu ce match? Juste un dernier mot sur cette rencontre, Président, parce que vous l'avez dit, finalement, c'était quand même un match avec beaucoup de rebondissements, des cartons jaunes, le pot qui domine devant, mais les Brivis qui lâchent pas. J'imagine que pour les émotions, voire pour le cœur en tribune et pour les nerfs, ça a été dur à suivre pour vous? Ouais, c'est compliqué parce que c'est un match quand même d'hommes hein, aussi, très engagé. Qui fait quand même aussi le dénominateur commun de ce top 14. Hein. Vous savez qu'il y a des étrangers qui arrivent et qui rentrent dans ce championnat, même avec tout le talent qu'ils ont, parce qu'en général, les gens qui viennent, eh ben, c'est des gens de talent. Ils sont toujours surpris par cet engagement. Et il est bien évident que, bon, il y a des cartons, mais il y a des cartons des deux côtés, liés à des faits de jeu, des faits de match. Bon, faut faire avec ça, si je puis dire. Mais au bout du compte, quand même, ce qu'on retiendra, c'est 18 fautes. Je pense que 4 de moins, 5 de moins, aurait donné le gain du match. Voilà, c'est tout. Président, quelques mots quand même sur la prochaine journée. Un déplacement à Lyon, un déplacement difficile. Comment vous allez l'aborder là, et préparer ce déplacement durant cette semaine? Oh, bah écoutez, je pense que déjà il faut débriefer de manière tout à fait pragmatique et avec intelligence, contrairement au match qu'on fait, ça changera. Et disons, allez sur des équipes comme ça où on a tout à gagner, rien à perdre. Je veux dire, sur des cylindrées telles que Lyon, Toulouse à venir, Toulon,
Il n'y a que du gain à avoir, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ils sont dans des dynamiques, ces trois équipes tout à fait positives. Lyon, ils vont nous exprimer quelque chose de différent de ce qu'on a vu ce week-end, hein, mais encore plus redoutable dans les duels et proposer beaucoup plus de duels. Donc il faut être prêt là-dessus et aller avec cet état d'esprit. Et je pense savoir aussi qu'on a tout à gagner et rien à perdre sur ces matchs-là. Alors, on va délaisser un petit peu le terrain. On a la chance de vous avoir avec nous. Vous êtes un président de Top 14 comme d'autres présidents, hein, et pas que dans le rugby professionnel, dans les autres sports professionnels qui sont peut-être inquiets pour la suite, parce que l'actualité hors rugby, c'est peut-être un nouveau confinement annoncé dans quelques jours. Ce serait un nouveau coup dur, évidemment, pour le rugby. Du coup, on se dit, quelle est un peu la situation économique de la section paloise aujourd'hui, alors qu'un nouveau confinement peut-être se profile? Ben écoutez, on a passé plusieurs phases. La première, c'était que on avait l'espoir d'être, disons, à huis clos jusqu'à fin décembre et de voir une situation qui s'améliore. Bon, l'actualité fait qu'il y a une résurgence de ce virus à l'échelle du déviant et donc des mutations. Donc, ça provoque quand même des gros soucis. Je pense que les bulles sanitaires et le modèle sanitaire au niveau de la Ligue a été quand même, d'une manière générale, bien maîtrisé. Il y a eu des cas, certes, mais c'est compliqué, hein, il y en a partout, mais bien maîtrisé. Alors, bien sûr, l'inquiétude maintenant, elle vient au fait qu'il y a de grandes chances qu'on soit à huis clos jusqu'à la fin de la saison. Donc, automatiquement, une récupération, si je puis dire, économique de la venue du public n'arrivera pas. Et je crois qu'il faut partir de ce principe. Comment ça s'est passé dans une première étape? Je dirais, le sport en général et le sport de haut niveau a été bien accueilli aussi par l'État pour qu'il ait l'initiative de continuer. Si on était une entreprise normale, enfin, du moins pas nous, la section, je veux dire le rugby en général, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, on ne peut pas vivre les droits télé. Non. Donc, une entreprise normale, là, elle est en chômage technique. Ce n'est pas le cas. Alors, si pour vous faire une petite différence, et je ne veux pas minimiser l'impact que ça a sur les autres, hein, ce n'est pas du tout l'objet, mais nous, on est un peu, on est en train de faire notre job sans pouvoir présenter la facture, dans le sens où c'est comme si les restaurants étaient ouverts, on les laisse réouverts, mais en partant, vous ne payez pas. Nous, c'est exactement ça. Donc, et c'est là la difficulté. La grande difficulté, elle est là. Donc, il est bien évident qu'il y a une anxiété grandissante là de tous les présidents, sur les mois à venir et sur la fin de l'année. On va être devant une situation qui, quand même, on paye des gens et on n'a pas de produit. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études économiques pour le comprendre. Donc, je pense que ça fera l'objet d'une discussion sur ces impacts huis clos et sanitaires avec des fonds de soutien gouvernementaux. À l'heure actuelle, les mesures prises, je dirais normal, dont bénéficie tout le monde, on n'y a pas droit. Donc il y a une spécificité du sport qu'il va falloir quand même mettre en avant. Président, est-ce que vous avez suffisamment de réserves du côté de la section paloise, une trésorerie suffisante pour faire face à la situation? Ou est-ce qu'aujourd'hui, comme peut-être d'autres clubs en France, les mois qui viennent, voire peut-être les semaines, seront très difficiles? Est-ce que le rugby français est au bord du gouffre? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, avec quelques mesures, ça nous a bien aidé. D'ailleurs, on n'a pas reçu les fruits, hein, de ces mesures-là pour le moment, mais elles sont dans le tuyau. Donc là, il faut en remercier l'État et les décideurs par rapport à ce pilotage à vue, hein, comparativement au sanitaire. Mais effectivement, c'est au bord du gouffre. On est dans une situation là très très compliquée, complexe. À l'heure actuelle, au niveau des trésoreries, on tient de deux manières. Beaucoup de clubs ont fait des prêts PGE. Voilà. Deuxièmement, on a aussi la plupart des grands sponsors. Vous savez, vous voyez le tableau derrière moi, hein, des grands sponsors qui nous sont fidèles et qui font l'effort. Hein. Que ce soit pour la section, c'est quoi? C'est une douzaine, une quinzaine de grands sponsors. Des gens aussi qui ont dit non, on n'aura pas nos prestations, mais pas de problème, gardez-le. Après, il y a aussi des demandes de remboursement. Donc, il est bien évident que ça, on l'a assumé, puis on a mis en place des conditions générales liées
à la situation, mais ces conditions générales, ça va devenir compliqué de les respecter. Je pense que tous les clubs, Toulouse l'a été, mais je pense que nous, on n'est pas rentré dans ce schéma, mais je pense qu'on va y rentrer. Un appel au don, à la flexibilité, même des petits sponsors sur une aide cette année, sera probablement demandé dans les mois à venir. Ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup de clubs de top 14 aussi par rapport à leurs abonnés. Et pourtant, malgré tout, président, avec un avenir un petit peu flou, il faut quand même préparer la saison prochaine. Comment on fait justement pour se plonger en plus sportivement? Voilà, c'est un peu compliqué. Comment on se plonge pour la saison prochaine? Le recrutement, notamment, on est en plein dedans, là, c'est la saison. Ouais, tout à fait. Bon, ici, il n'est pas clôturé parce qu'on a été assez prudent justement relatif à la situation, relatif à la dégradation économique. Donc, il y a une prudence à ce niveau-là. Je vois certains de mes collègues qui le sont moins, mais chacun a sa vision aussi. Moi, là-dessus, je suis très, très prudent et réservé. Mais on a anticipé. On a anticipé déjà sur les resignatures où tous les joueurs resignés ont fait des efforts financiers où on a pris en compte une valeur marché qui était dégradée. Et donc, les nouveaux contrats sont tous signés sur un schéma de baisse, si je puis dire, relatif à ce que ce fut. Et quand on contrat en cours, on a eu une baisse de salaire cette année. Mais je pense que maintenant, il n'y a aucun club, certains ne le disent pas, mais il n'y a aucun club qui ne peut pas penser que peut-être la saison prochaine, non pas sur ceux qui ont déjà été anticipés, bien sûr, mais sur certains salaires en cours, ça n'aura pas demandé un effort. Hein. Ça, c'est voilà, c'est encore un peu tôt pour le dire. Et donc, pour finir, ce que vous m'avez, votre question, par rapport au recrutement, où elle se poursuit tranquillement sur des profils bien ciblés. Avec priorité pour un nouveau manager, notamment, on sait que vous êtes a priori en contact avec Sébastien Piccheroni, voire peut-être Xavier Garbajosa. Priorité peut-être pour un profil comme celui de Sébastien. Ouais, vous savez, la spéculation est ouverte en ce moment là-dessus. Mais je pense que la décision du club viendra assez vite. Et vous le saurez en temps voulu, je dirais, en très peu de jours. Voilà. Très bien. Parce qu'on parle aussi d'un numéro 8, voire peut-être de Scott Higginbotham, qu'on connaît bien ici à Bordeaux et qui a encore marqué cette année. La prochaine actu aussi, président, qui a marqué ce week-end. La prochaine actu, c'est aussi les élections à la Ligue nationale de rugby, d'un nouveau président au mois de mars. Alors, il y a beaucoup de choses, de projets. On entend parler d'un top 12, d'un top 16, d'une Coupe de la Ligue, d'une Coupe du Monde des clubs. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de fleurir avant cette élection. Comment vous positionnez là-dessus l'avenir du rugby français? Ça passe par quoi pour vous? Plus de clubs, moins de clubs? Ouais, non, moi, ça, c'est pas un sujet hein, à la Ligue. C'est pas un sujet à la Ligue et c'est pas un sujet de beaucoup de monde, à vrai dire. Hein. C'est un sujet qui est porté par certains. Toulouse porte bien ce projet. On va pas faire de la langue de bois. Hein. Toulouse a toujours porté ce projet. Clermont a souvent été aussi partisan. Ils sont beaucoup plus réservés. Quant aux autres, non. On n'est pas sur ce schéma-là. Certains journaux ont fait dire à certains ce qu'ils pensent pas. Non, franchement, c'est pas un sujet. Hein. Le sujet de la Ligue, c'est quel doit être le modèle de demain. C'est ça le vrai sujet. Et je pense que les candidats, on se doit, nous, par respect pour tous, parce que les candidats sont des présidents ou des anciens présidents. Et un président, ça galère. Tout ça, ça nous crée un corporatisme. Et une compréhension d'entre nous et un respect aussi. Donc, si vous voulez, nous, et pour ma part, mais je sais que beaucoup sont comme moi, on doit écouter tout le monde, on est préoccupé par les mêmes questions et c'est une campagne avec des personnalités différentes. Certains mettront le doigt sur des problèmes plus que d'autres, sur des visions différentes un peu ou nuancées. Donc, je pense qu'on doit écouter tout le monde et à ce titre, faire le choix qu'on devra faire. Voilà. Maintenant, je pense que les choses changeront en matière de gouvernance, en matière aussi de modèle économique. Je pense que si tous ces modèles ne changent pas, on le voit avec la crise sanitaire, on le voit aussi avec l'évolution médiatique, je pense que ces modèles doivent changer. Voilà. Donc, les gens qui seront porteurs de modèles nouveaux, qui s'entoureront de l'équipe qu'il faut, parce que je pense qu'aussi, le rugby, c'est un sport de partage, et le pouvoir, ça se partage aussi dans ce domaine-là. Je pense que beaucoup de présidents ont été absents
un peu dans la gouvernance récente. Et je pense qu'il y a une volonté aussi des présidents d'être un petit peu plus aux commandes de manière très partagée, participative sur l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Président. Le message est clair. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Nous allons poursuivre le retour, donc le débrief sur cette journée de Top 14. On va voir donc les résultats complets. Ça a commencé dès vendredi avec le carton de la Rochelle face à Bayonne. Il n'y a pas eu photo. Hein, 40-3. Et puis également Agen qui n'a pas fait le poids du tout face à Toulouse. Large victoire des Toulousains, 59-0. Et Pau-Brive, on vient d'en parler, voilà pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Un coup d'œil, du coup, sur le classement au terme de cette journée. La Rochelle est en deuxième position donc, de ce top 14. Bordeaux, l'UBB dans le top 6, hein, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Et après, nous avons Brive en 9e position, Pau, on vient d'en parler, en 11e position, Bayonne 12e et Agen 14e. Mais bon, on sait que le sort est scellé depuis longtemps pour les Agenais. La Pro D2 maintenant, éventuellement, rapidement aussi, parce qu'il y avait des matchs intéressants. Absolument. Donc en Pro D2, nous avons la mauvaise opération d'Angoulême, battue sur son terrain par Nevers sur le score de 16-13. Meilleure opération en revanche pour Mont-de-Marsan qui bat Aurillac 12-9. Et puis carton de Biarritz face à Montauban 31-3. Le match a été quasiment à sens unique entre Biarritz et Montauban. Du coup, eh bien, ça se passe plutôt pas mal pour les Biarrots, hein, puisqu'ils sont troisième de cette Pro D2. En revanche, pour les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine en Pro D2, il faut regarder dans la deuxième partie du classement avec le Stade Montois 13e et Angoulême qui se retrouve donc dernier de cette Pro D2. On a été complet. On a été complet, parfait. Hein. On ira peut-être à Mont-de-Marsan la semaine prochaine voir le président Cazot aussi pour avoir le son de cloche aussi des présidents de Pro D2 qui se réunissent actuellement justement tous ensemble à la Ligue à Paris. Mais on l'a bien compris hein, à travers ce que vient de dire le président de la section paloise, il va falloir que... Il n'y a pas de top 12 parce que c'est déjà quelque chose qui revient, mais il y a que quelques grands clubs qui poussent là-dessus, mais ce n'est pas la majorité, vous l'avez bien compris. Et en revanche, je pense que le rugby ne peut pas passer à côté, on va dire, d'une refonte un petit peu hein, économique et sportive de son fonctionnement, parce qu'on l'a bien compris à travers les propos du président de la section paloise. Les semaines et les mois qui viennent vont être très difficiles d'un point de vue financier. Mais, solidarité, semble-t-il, les sponsors et également les joueurs qui jouent le jeu et qui acceptent des baisses de salaire. Ouais. Donc voilà. C'est pas le cas dans notre sport encore. C'est sauf qu'il peut le rugby en ce moment, un petit peu, hein, quand même. C'est exactement ça, mais il y a de la solidarité et on espère quand même qu'on va enfin voir le bout du tunnel. En tout cas, on va continuer à jouer, a priori. Hein, donc, c'est déjà espérons-le. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, pour ce grand débrief. On se retrouve vendredi pour parler cette fois à l'affiche avec les principaux matchs pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Bonne soirée. Le sport continue sur TV7. Nous allons parler du Vendée Globe, une course de fou. À tout de suite.